quelqu'un avec qui j'ai déjà fait une émission, mais des choses me sont restées au travers de la gorge. Il faut que je pose encore d'autres questions pour qu'il puisse répondre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour information, sachez que désormais, l'émission Fafa a sa page officielle. Fafa officielle, vous y allez, vous vous abonnez, vous posez des questions, vous donnez des suggestions, vous donnez vos avis et tout. Et la page fera en sorte que vous serez toujours, on peut dire, au parfum de tout ce qui se passe, même les coulisses de l'émission, tout ça. Il y a des nouveautés que vous verrez si vous êtes abonné à la page. Fafa officielle. Voilà la page dont il s'agit. Alors, l'émission Fafa, c'est maintenant. Let's go. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est de retour après cette plage musicale. On est avec le révérend général Tammy Makoso, l'homme qui est aimé, décrié à la fois. Hein? On va parler de ça. Donc je suis là dans ce bureau au frayon. Le climatiseur me tape, je suis à l'aise. Ouais. Tout ça pour m'empêcher de poser les vraies questions. Non, on ne peut pas t'empêcher. Un esprit face à un esprit, personne ne peut t'empêcher. Tu es un voyant. Un homme qui voit la fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire dans un trou noir. Donc tu es venu, quand tu as enlevé même le papier dans ton pantalon, j'ai eu peur. Tu as dégainé comme une épée. Trop de questions à me poser. Je sais que beaucoup de vos abonnés ont dit, ils t'ont transmis des questions, mais je suis prêt, en tant qu'un homme du peuple, la voix des 100 voix, à répondre à toutes sortes de questions, sans faux fions. J'ai même peur, parce qu'aujourd'hui, je suis même un peu déçu. Je suis face à des journalistes qui sont chauds, mais dès qu'on est face à face, ils n'ont plus de questions. Ils sont tous sous le charme de la bouche de Makoso. Non, ça, c'est pas le dernier, ça. Tu te rappelles, la dernière fois, tu m'as même serré le col, tellement c'était chaud. Tout à fait, t'as voulu rentrer là où on ne doit pas rentrer. Mais l'esprit d'Abobo voulait revenir. En même temps, il me suis reconverti. Voilà, pour ne pas rétrograder. Donc, ça veut dire que l'esprit d'Abobo, là, ça ne te quitte jamais, quoi. Non. Ça roule dans les parages. Non, c'est pas bon si ça me quitte. Ou si l'esprit d'Abobo te quitte, tu es foutu. L'esprit d'Abobo te permet. Et demande si le mouvement c'est gâté. On t'a dit c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Quand c'est gâté, on gâte tout. Et puis on s'assoit et on le gâte. Mais c'est gâté, puis l'esprit d'Abobo n'est pas là. Mais c'est sûr, toi, seulement ça se gâte. L'esprit d'Abobo te permet de te défendre. On appelle l'esprit d'Abobo, c'est l'autodéfense. Un enfant d'Abobo, même devant un jumeau, quand il a tort, sa manière de parler, le juge le regarde comme ça, il dit l'enfant, il a toi une deuxième chance. C'est important, l'esprit d'Abobo gars. D'accord. Mais en tant qu'homme de Dieu, est-ce que l'esprit d'Abobo gars a lieu d'être présent là? Oui. Parce qu'un homme de Dieu, c'est appelé à être tendre, parler tout doucement. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est ce que les blancs sont venus nous transmettre. Mais le même homme de Dieu qu'on appelait Élie dans la Bible, tu le connais, non? Élie dans la Bible. Élie a prié, il a prié. Il avait pourtant, il a égorgé 400 prophètes. J'ai pris ma chère Jésus, mais là, tu nous parles sur lui. On vient le tomber dans le jardin. Il pensait que c'était des braqués. On lève le couteau, la coupe aurait du gars. Jésus n'a pas dit jette, il range le couteau. Ça peut servir une prochaine fois. À qui il a confié l'église? Pierre. Oh. Afin de Dieu là, c'est vrai, il faut voir le comportement de tout seul. Même Dieu, on dit il est l'agneau, mais en même temps, il est le lion. Dans la vie, quand tu veux réussir, il faut avoir deux visages. Le visage amour, où tu aimes les autres, mais quand foutaise veut venir, pas le visage de lion, faire retourner foutaise. Sinon, dans la fête de Dieu, les gens me foutaient sur toi. Il y a des gens qui viennent braquer l'église. Mais quand il sent que c'est Makoso qui est là-bas, il se dit le gars, il dit à tous ses fidèles qu'on a bien deviné avec les âmes en plein culte. On ne sait jamais. Braquer la langue du Seigneur, Makoso n'est pas prêt. D'accord. On va revenir là-dessus. Voilà. Alors, mais Makoso, mon général, est-ce que tu es conscient d'être le pasteur le plus décrié en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu sais que les gens, tu es le pasteur que les gens, je ne dirais pas détestent, mais tu es celui-là même qui est vraiment incompris, qui est décrié, parce qu'on décrit tes méthodes, voilà, ta façon de parler, ta façon, voilà, les choses dont tu parles souvent dans tes vidéos directes et tout. Est-ce que tu es conscient de ça? Je suis conscient de cela, parce que tout simplement l'homme noir, principalement l'ivoirien, typiquement l'ivoirien d'abord, il n'est pas trop intelligent. Je peux te donner les preuves. C'est pour ça que la majorité des secteurs économiques les plus sensibles de notre pays sont dirigés par les non-ivoiriens. Parce qu'au lieu de chercher à comprendre et à respecter la vérité, ils ne veulent pas. Même toi, mais les gens te regardent, à quand on t'apprécie. Mais il faut te dire aujourd'hui que tu veux réussir, tu veux lancer une opération immobilière. Tu vas voir les mêmes personnes qui t'ont appelé, on a dit, il veut prouver quoi? Il veut dire quoi? Il veut se jouer le conseiller de qui? L'homme noir au ventre rond, on n'est pas deux, il est bête et il est comme ça. Ce que Makoso dit là, que quelqu'un vienne face à face avec moi, il va dire Makoso, tu as dit ça. Contrairement à la Bible, c'est contraire. Contrairement à ça, c'est anti-biblique. Il ne peut pas le dire. Il dit la vérité, mais c'est sa manière de dire vérité, c'est vérité. Une femme a préparé Foufou. Tu dis non, Foufou est doux, mais c'est de la manière. Foufou est doux, il n'est pas doux. Ajoutons ça.
Tu vois une fille, tu enlèves son caleçon, après tu dis non, elle est bien, mais c'est son comportement. Quel comportement? Tu as regardé tout ça, non? Laissons tomber. Les hommes noirs, au ventre rond et au nez pâteux, n'aiment pas la vérité. Sinon, quelqu'un qui s'assoit et que. Pourquoi quand Makoso fait les dons, tout le monde a calme? Qu'on va Makoso aider la femme, par exemple, de l'affaire du douanier. Qu'on va Makoso aider les filles qui sont au niveau du marron. Tout le monde dit non, Makoso, il est bien. On reconnaît qu'il est généreux. Il est généreux. Mais en même temps, pour moi, je me dis c'est une manière des Ivoiriens de me témoigner leur amour. Parce que lorsqu'il y a des dossiers aussi houleux qui touchent à la vie des Ivoiriens, même quand les autres parlent, disent non. Tant que Makoso n'a pas parlé, on sent pas. On sent pas l'affaire. Quand je prends la parole, on dit voilà. Mais en disant que voilà, l'homme noir n'est pas intelligent, l'homme noir gros ventre n'est pas tous. Tu es un homme de Dieu. Ça, ouais. C'est des propos qui sont injurieux. Et c'est tout ça normal. C'est des propos injurieux, même si toi aussi tu es un Africain. Aimé Césaire disait, vous savez, il faut savoir faire son autocritique. Aimé Césaire, qui est un grand écrivain, disait, l'homme noir ne comprend que le langage du bâton. Tu veux dominer les noirs. Les Africains, vous les cognez. Sinon, ça passe pas. Rien dans la famille. Quand on dit bon, on va donner la parole à tout le monde et autres. C'est là qu'il s'est arrivé une vieille fille de 1984. En 84, tu t'avais demandé ton bâti. 4 mois de conneries comme ça. Mais quand la personne me dit bon, ok, nous avons 15 minutes. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Toi. Le pays avance. Regarde comment tu vois le pays est droit. Tu as vu, non? À part le mouvement des élèves. C'est comme ça qu'il faut gérer les choses. Quand tu veux tout faire des négociations, des accords, ça finit loin. Je pense. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Ça, c'est un autre. Il faut être ton, voilà tout. Ouais, ça, c'est un autre. Voilà, donc j'aime dire la vérité. En fait, j'aime choquer pour révolter quelqu'un. Et puis, pourquoi il a parlé comme ça? Et puis, maintenant, je passe maintenant le message de l'enseignement sur le secret de la réussite. Mais la question qui englobe tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire, Makoso n'est pas né forcément pasteur. Non. Voilà. Maintenant, quand tu as commencé, qu'est-ce qui t'a. Comment t'es venu l'idée de. D'avoir cette méthode-là. C'est-à-dire que tu pouvais choisir la méthode des autres pasteurs qui sont là, qu'on connaît. Mohamed Sanogo, Guy Vincent et tout ça. Moi, ici, les noms, il n'y a pas peur. Tu non, c'est bien de citer les noms. Voilà, mais toi, tu es différent d'eux. Comment est-ce que tu as choisi? Tu as dû, forcément, c'est vrai que quelque part dans ta nature, tu es chaud. Tout à fait. Mais tu as dû choisir ça. Et pourquoi est-ce que c'est cette méthode-là que tu as choisi? Parce que tout simplement, j'ai un message qui n'est pas adressé aux chrétiens. Ma cible ne sont pas les chrétiens. Je n'ai pas fait aux chrétiens, ils sont déjà survivants au ciel. Ma cible sont les personnes qui ne croient pas en Dieu. Ils ont besoin souvent de s'y bien. Les personnes qui attaquent ma cause, ce n'est pas des chrétiens. C'est plutôt, ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens. Non, un pasteur parle pas comme ça, un pasteur parle comme ça. Tu as cité des grands noms que je respecte beaucoup. Le révérend Kodia Givin, c'est un père pour moi. Voilà, c'est quelqu'un qui est un exemple pour, du fait d'où il est quitté. Le révérend Mohamed Sanogo, dans le domaine de l'humilité, de l'effacement, c'est quelqu'un que nous prenons beaucoup d'exemples sur lui. Autre, oui, mais Makoso est Makoso. Ma cible, là, c'est les Djangjou, c'est les IGI, c'est le mouvement du décalé coupé. Ces gens, ils ont besoin d'avoir une référence de quelqu'un qui peut m'écouter. Quand toutes ces. Tu t'identifies à eux, en fait. Je m'identifie à eux. Lorsque, aujourd'hui, vous prenez la page du pasteur Mohamed Sanogo, parce que le bishop Okudia n'est pas trop sur les réseaux sociaux, il est autour de 180 000, 200 000 abonnés. Camille Makoso, il fait le double. Je suis à 430 000 abonnés. Mais les 430 000 abonnés, est-ce que, mais bon, parce que la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux, c'est non, vrai. Non, je pense seulement que c'est juste. C'est quel rôle est-ce que ça joue dans la vie des gens? Enfin, c'est ça, c'est d'identifier les gens. Mais je viens, c'est juste prendre un petit exemple d'abord sur le plan popularité. D'accord. Il n'est pas aimé, mais on le suit. Voilà. Mais en même temps, vous allez sur ma page, vous faites un sondage. 80% de toutes les personnes vous diront, avant que je ne connaisse pas le Makoso, voici quelle était ma vie. Depuis que j'ai connu Makoso, ma vie a changé. Parce que j'entends dans le fond, je ne suis pas hypocrite. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont hypocrites parce qu'ils veulent bien paraître. Or, quand on se voit dans le couloir noir, on se connaît. Donc vous allez dans le couloir noir. On a des dossiers, mon frère. On se voit, on se connaît, on se côtoie, on se parle. On se rencontre, on parle de donc, nos faiblesses. Et c'est pas une affaire de couloir noir. Je veux parler tout simplement de quand on parle du fond des fonds. On se connaît. C'est toi qui as dit le mot couloir noir. Non, c'est une façon de parler comme un enfant d'avocat. Quand on se voit souvent dans les coins, on s'assoit, on regarde, on parle un peu, on se connaît. La nature qu'ils ont connue ensemble n'est pas la nature. Moi, je cause avec certains qui me disent non, Makoso, ce que tu fais là, on est d'accord. Mais moi, si je parle un peu comme ça, le conseil de mon église va me couper les vives. Donc, c'est des lâches. Prenons le cas de la sexualité. Nos soeurs pleurent à l'église. Elles ne savent même pas comment aller remporter un homme. Elles sont en train de prier, je vais prendre un mari. Quelles sont ces imbécilités-là?
Une femme doit séduire un homme et arriver à le faire bander. Quand il bande, il a envie maintenant d'être elle. C'est après avoir envie d'elle, maintenant qu'il a envie de la marier. Bon, il y a un processus. D'abord la bandécologie, après maintenant le comportement et ensuite le mariage. Donc, ça veut dire que tu encourages le fait de se connaître avant d'aller au mariage. Non! J'encourage le fait. Parce qu'une fille qui fait bander un homme, oui, forcément, il a quelque chose qui va se passer avant d'aller au mariage. Maintenant, quand il vient maintenant pour faire le mangement, maintenant, il dit stop! La Bible dit, il est écrit. Quand le diable venait attaquer Jésus, dit, il est écrit. Mon frère, moi, mais j'ai envie aussi. Quand je te vois comme ça, c'est que tu dois être un jeune compétent. Mais est-ce qu'on allait voir en même temps les parents pour régulariser tout devant le Seigneur pour ne pas tirer la malédiction chez nous? Le dernier dit, d'accord, on va tes parents. Il dit, voilà! Mais nous, ce soir, l'église avait des longs jeux pendant autant d'années. Christine, Donat Benjamin, balai la cour de l'église. Il y a Satan, même pas un peu. Et qui va avoir. Non, on n'a pas envie de marier nos mamans. Les frères, on se parle entre nous. C'est pour ça que ce soir, l'église, elle pleure. Donc, un pasteur qui vient qui dit ça, là, ça libère. Je connais des églises où on ne porte même pas boucle d'oreille. On porte foulard du matin jusqu'au soir. Pourtant, les mêmes pasteurs qui vont aux États-Unis, ils disent non, on dit, mais pourquoi tes fidèles font ça? Ils ne disent pas que c'est la Bible qui les dit, non, c'est la culture ivoirienne. C'est l'hypocrisie. Je ne veux pas être hypocrite. Je veux être moi-même. Voilà. On m'a jamais vu aller voler quelqu'un. On n'a jamais vu Makoso aller prendre la femme de quelqu'un. On n'a jamais vu Makoso d'avoir fait de pédophilie. Donc on reproche quoi à Makoso? Son langage, je garderai mon langage. La vérité, c'est la vérité. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. D'accord. Voilà. D'accord, Makoso. Il n'y a pas de souci, monsieur le général. Ouais. Alors, moi, je veux savoir, pour les personnes qui ne savent pas, mm-hmm, toi, tu es évangélique. Ouais. Voilà. Comment est-ce qu'on devient pasteur? Je sais que beaucoup disent non, il faut que Dieu t'appelle d'abord, mm-hmm, et tout. Mais quand Dieu t'appelle, est-ce que automatiquement tu commences à prêcher ou est-ce que tu passes par une école? Mais bon, je sais pas, comment est-ce que ça se passe? Bien, ça c'est une bonne question. Dans la mesure où je donne à maintenant une information que peut-être beaucoup n'ont pas, devant l'État de Côte d'Ivoire, c'est vrai, on peut ne pas aimer Makoso. Mais c'est moi le porte-parole de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Ah bon? C'est-à-dire qu'on doit parler au président Ouattara, c'est Makoso qu'on appelle. Voilà. C'est ça qui fait mal à beaucoup aussi. Hein. T'as dit, ils ont des grands noms. Mais l'État ne les reconnaît pas. C'est Makoso, sa voix bandit là, que l'État reconnaît. Parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il a 10 000 pasteurs. Voilà. C'est ça aussi qui est la réalité. Je ne suis pas, quand vous venez par exemple à l'église, ce n'est pas la nature que j'ai à l'église. C'est pour ça qu'il y a un jour, allez voir Makoso au culte. C'est deux personnages différents. Donc, sont mes fans des réseaux, ceux qui viennent à l'église, ils pensent qu'ils ont venu trouver le gars chaud. Mais quand ils viennent, ils voient une autre personne, ils disent, mais papa, tu as d'autres visages? Oui. Les réseaux sociaux là, ce n'est pas l'église. C'est Djambouya. Deux fois ce comportement, on fout pour attirer l'autre. Je parlais de l'attention à mettre frappé. On devient pasteur comment? Dans un premier temps, on ne devient pas pasteur parce qu'on a faim. Moi, j'avais tout pour réussir sans être pasteur. Mmh. Je parle bien. Je peux être avocat international, je peux être un bon journaliste. Tu travailles, tu te fais bien faire ça. Voilà. Mais d'abord, c'est un appel. Au travers de tes rêves, tu ne fais que te voir en train de prêcher, en train de prier pour des gens. C'est-à-dire, tu es là quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu as mal. Et tu sens le besoin d'aller prier pour telle personne. Ça, c'est le premier signe. Ensuite, tu vas recevoir une confirmation de plusieurs autres hommes de Dieu qui viendront te dire, toi, Dieu t'a appelé. Voici comment Dieu t'a appelé. Tu es prophète. Un autre viendra de nulle part. Tu es prophète. Un autre viendra de nulle part. Tu es prophète. Quand tu as cinq confirmations, maintenant, tu te mets sous la coupole d'un père spirituel. C'est lui, maintenant, qui va te faire grandir. Comme moi, j'ai eu pour père spirituel, le révérend Michel Vaco. Il va te faire grandir. Il va te faire grandir. Après maintenant, l'école biblique ne produit pas des pasteurs. Pas l'école biblique fait d'un pasteur un pasteur. Un pasteur, c'est son appel, c'est sa vocation. Maintenant, pour ne pas être un danger pour la société, on t'invite à aller étudier. Mais le pasteur qui ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il ne peut pas s'asseoir pour écrire. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est la formation pratique, c'est la formation qui vient du père spirituel. C'est lui qui te montre tous les rois du ministère. Maintenant, l'école biblique te peut maintenant de gérer l'administration d'une église. Préparer une prédication telle que l'homélité qui est là de prêcher, etc., etc. La comptabilité des pasteurs qui savent confondre tout. Ils prennent tous les gains de l'église, ceux qui mangent. On dit non, pasteur. Il y a des pasteurs qui mangent derrière de l'église. Oui, c'est pour lui-même. Il voit ça pour lui-même. Qu'est-ce qu'on a fait offense, c'est pour moi. Je suis le sacrificateur, le collecteur de sacrifices. En termes, mais il a raison de d'abattre le jeton, c'est pour lui. Non, il n'a pas raison de d'abattre. Pourquoi? C'est pour qui? Le jeton, c'est l'argent est là pour développer l'église. Mais c'est une balle maintenant. Mener des bonnes actions. Voilà. Peut-être il y a un fidèle de l'église qui est malade. Voilà. Il faut qu'il enlève ça. C'est ça maintenant, ouais. T'as de... C'est là maintenant l'école biblique maintenant vient t'apprendre ça. Non, il faut avoir une caisse pour les veuves et les orphelins. Il faut avoir une caisse dans le domaine de l'entrepreneuriat. Créer des activités pour éviter que l'église demain puisse subir telle chose. Il faut avoir maintenant ton salaire qui te permet de pouvoir avoir quelque chose à la fin du mois. Sinon, si tu prends tout,
un matin, quand les fidèles, par exemple, il y a un problème qui tombe sur toi, tu peux avoir un problème, il faut que le pasteur se fasse assurer. Il faut que ses enfants soient assurés. Pour que demain, parce que notre travail là, ça finit par AVC, insuffisant rénal, parce qu'à force de dire, démon, sors, toi, tes testicules montent, tes testicules descendent. Donc, sors, donc, à la fin, il y a un problème là-bas. Prostate, tout ça vient. Donc, c'est l'école du maintenant qui forme le pasteur dans ce principe-là. Voilà. D'accord. Après ça, maintenant, il y a la consécration. Mm-hmm. Et après la consécration, il y a l'ordination. C'est l'émission Fafa, c'est Ivoire TV Musique avec le Daéré et le général Marcos Okami. Yeah. C'est un disque LPB de Oro. LPB de Oro, ça veut dire quoi? C'est le nom de Maradona qu'ils ont mis sur moi. Ah, d'autres d'accord. M'appellent l'homme tombé du ciel sans blessure. D'autres m'appellent le conscient. D'autres m'appellent la voix des sans-voix. D'autres l'homme de l'intelligence et la contre-intelligence avec une base d'anticipation. Dans un système de la manière et de la stratégie. Voilà. Alors, monsieur Marcos Okami, monsieur le général, oui. C'est quoi la différence entre un très bon pasteur et un bon pasteur, comme on dit en Côte d'Ivoire? Un très bon pasteur et un faux prophète, un menteur, un gars qui passe son temps à gruger les autres. Voilà. C'est quoi la différence entre un très bon pasteur et un mauvais pasteur? La différence, elle est simple. C'est tellement simple. Un, il mougou toutes les petites filles de son église. Ça, c'est le mauvais pasteur. Ça, c'est le mauvais pasteur. D'accord. Dans l'église, il y a au moins beaucoup de 3 ou 4. C'est sûr de tout le monde. Numéro 2. Tout ce qu'il doit faire, demande d'abord jeton. Demande d'abord aux femmes. Demande d'abord aux femmes. Demande d'abord aux femmes. Toi, on ne le voit jamais faire un don. Jamais il aide les autres. C'est lui toujours qu'on doit aider. Jamais il aide les autres. Quand tu as tous ces éléments réunis, tu peux être en mesure de dire qu'un tel gars, il est mauvais. Le bon pasteur est reconnu, ce n'est pas son accoutrement, mais c'est pas l'accoutrement ou le style. Sinon, dans la Bible, quand vous regardez un homme comme comment il s'appelle Élie, il avait la peau d'un animal, d'un chameau. On aurait pu dire non, Élie, toi tu es un homme de Dieu, tu portes. Si moi je te porte un animal d'un chameau, moi me lapider dans la rue, pour dire ma cause, tu es un menteur, quand tu portes la peau d'un animal, toi tu es quel homme de Dieu ça? On va m'insulter. Mais Élie l'a fait, le véritable serviteur de Dieu va toujours t'amener à avoir peur de Dieu. À le craindre. Comment? Va t'amener à le craindre. Pour dire, mon frère, la vie que tu vis là, tu peux vivre dans l'adultère, tu peux vivre dans la fornication, tu peux vivre dans le broutage, et puis tu as le ciel. Cette vérité va te dire. Le faux serviteur de Dieu ne va jamais te parler de ça. Numéro 2. Le véritable serviteur de Dieu va t'amener à aimer. Le faux homme de Dieu va t'amener à détester tes parents. Il va toujours t'amener à te déconnecter de ta famille en te disant Dieu le révèle que soit c'est ta maman, soit c'est ton papa qui veut te tuer. Mais c'est des techniques mises en place pour ne pas qu'il te mette à demander conseil par rapport à ce que l'homme de Dieu fait. Donc il te coupe de ta famille pour que tu sois maintenant à sa merci. Puis te suce même. Doucement. Ça c'est le faux. Le vrai va t'amener à aimer, à pardonner. Le vrai va t'amener à te prendre. Il va te découvrir tes choses en disant, mon frère, Dieu ne descendra pas du chef pour venir opérer ton miracle. Bats-toi. Ça, c'est le véritable serviteur de Dieu. Tu vas t'amener à devenir indépendant. Le faux homme de Dieu t'amène à dépendre de lui. Mm-hmm. Vas-tu te ramener à lui? Le véritable homme de Dieu t'amène à devenir indépendant. Parce que nous sommes des dieux. Qu'il y a l'image de Dieu, nous sommes des dieux. Avec un petit dé. Dieu avec un grand dé. Ouais, des petits dieux en quelque sorte. Voilà. Il va réveiller le Dieu qui dort en toi. Mais le faux va venir te mettre dans les systèmes. S'il n'est pas prié pour toi, tu ne seras pas béni. C'est des bêtises. Toi, tu es qui? Un ancien bandit comme ça, Dieu t'a accordé la garde de devenir pasteur. Tu vas venir trafiquer les gens. Non, il y en a beaucoup d'Abidjan qui font les trucs. Oui, non, ça, on va parler de ça. Voilà, donc on parle un peu. Ouais, ouais, voilà. D'accord. C'est pas le style. C'est pas le langage. C'est l'attitude. C'est l'attitude. Le conquête sur la vie de ceux qui t'écoutent. Le faux serviteur, il n'y a pas déjà jamais de témoignage. Jamais dans son église, il va prendre le micro. Vraiment, je suis venu dimanche dernier. Voici comment ma vie était. Voyez ce que ma vie était. Jamais. Il parle toujours de lui. Quand j'étais dans tel pays, tout est égocentré. Il parle que de lui. J'ai. Tu es qui? Non. Mais le nom de Jésus pour sortir de sa bouche, c'est compliqué. Jamais. C'est son nom qui sort de sa bouche. C'est son nom. Voilà. D'accord. C'est le gars, il m'appelle Camille Makoso. Je déclare suite que tu es béni. Puis c'est quoi ces imbécilités? D'accord, mais est-ce que actuellement, parce que bon, c'est pas tout le monde qui sait, mais la plupart des gens savent que tu es un ancien prisonnier, ouais. Tu es un ancien tola, tu as fait la tôle. Ouais. Deux fois même. Deux fois, oui, je sais. Voilà, mais déjà, nous tous, on sait que c'est pas pour des raisons catholiques, c'est-à-dire que il paraît que tu as mamaillé des gens, voilà. Mamaillé, ça veut dire que tu as doublé des gens. Non, tu n'as pas la bonne information. Ça veut dire que tu t'es pas bien renseigné. Voilà, c'est moi, mais là, t'es informé. Oui, il faut m'informer parce que c'est important.
Parce que c'est étonnant de voir quelqu'un, un pasteur qui a déjà fait la prison, bon, c'est bizarre. Ouais. C'est quand bizarre. Tu regardes dans la Bible. Et puis en plus, ouais. Un pasteur qui a fait la prison pour de. Bon, en fait, tu as la prison pour de mauvaises raisons. Ouais. Mais pour un pasteur, pour un homme de Dieu, il y a longtemps que tu es dans ça. Ouais. Puis c'est dans ton affaire de pasteur, on t'a mis dedans. Ouais. Voilà, ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Même Jésus, on l'a pas mis en prison. Quand Jésus a été arrêté avant d'aller crucifier, il allait où? Il a fait Kaba, petit Kaba. Ce qu'on a reproché à Jésus, c'était faux. On a dit on te reproche parce que tu as semé le tour dans le temple. Lui-même n'est pas semé le tour. Il a d'abord des gens dans le temple à cause des fêtes qu'il vendait. Donc Jésus même lui-même là, il a frappé les gens, ils l'ont pris, ils l'ont attaché, ils l'ont arrêté. Puis ils l'ont tcha. Je suis qui? Je suis son exemple, maintenant il est venu maintenant sur mon cas. Faut pas confondre le général Camille Makosso, pasteur, et le général Camille Makosso, homme d'affaires. D'accord. J'ai une opération immobilière. Je construis et je vends des maisons. Je vends des voitures. Dans le temps, j'organisais des pèlerinages dans le monde entier. J'ai été victime d'un détournement. Je suis allé voir la justice. Messieurs, voilà moi, je m'appelle Makosso. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, tu veux faire quoi? Il dit, je vais rembourser. Je rembourse 80 millions. Je parle et la justice est encore là. Hein. Parce que l'affaire est toujours pendante devant la justice. Donc, quand je vais en prison, c'est pas parce que j'ai volé. Hein. On dit, non, ne pas que les gens t'agressent. On va te sécuriser. On ne te condamne pas. On ne te juge pas. Mm-hmm. On te protège. On pouvait te mettre en résidence surveillée. Quelle résidence surveillée? C'est ici, c'est encore toi ici. Même l'homme conduit voiture, tu as connu quelqu'un, tu as raison. La personne est morte, on t'amène en prison. Peu importe ta raison, d'abord on t'amène à la maca et on ouvre une instruction parce que quelqu'un est mort. Les parents peuvent venir te tuer. Est-ce parce que la personne est allée en prison qu'il est un voleur? Est-ce parce qu'il est un criminel? Non, c'est pour sa sécurité. Voici le cas de Camille Makosso. Donc, définitivement, qui a volé ton argent? C'est la secrétaire Boé Nicole. Tu sais, les gens venaient, j'étais très jeune, j'avais quel âge? J'ai commencé à compter 500 millions à partir de 27 ans. C'est pas maintenant Makosso compte l'argent. Il y a longtemps que je compte l'argent. 500 millions. Donc je voulais créer une microfinance. D'accord. Donc je vais laisser maintenant le dossier voyage entre ses mains. D'accord. Donc elle a le reçu original. Quand les gens viennent, elle fait photocopie. Donc elle délivre la photocopie, mais garde les originaux. Quand on compte les originaux, on voit 50. Après tu viens, tu vois 47. Donc tu te dis, c'est 3 personnes qui ont payé. Or, elle a déjà fait au moins 10 personnes. Je la fais arrêter. Je l'amène au 22e arrondissement à côté là. Le lieutenant Gage avait perdu son âme. Libère la fille sur convocation. Oh, il nous donne rendez-vous lundi. Quand j'arrive lundi, il dit non, on lui a donné une convocation pour qu'elle revienne. Depuis quand j'attends mon voleur, je vais te donner, tu me donnes mon voleur. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Voici d'où est parti tous les problèmes de Makosso. Au lieu de fuir la Côte d'Ivoire, je reste pour rembourser aux gens. On me donne pas une médaille d'honnêteté. On m'insulte. Les gens parmi elles, il y avait des gens qui partaient pour caler. Un caler là. Lui, c'est son espoir. Donc chacun va voir ses parents, tout va voir des syndicalistes, tout va voir la PJ. Ça me menace de partout. J'étais en Grèce, ça vient casser ma maison, ça m'enlève, aller me mettre dans un hôtel. Après ceux que tu connais, t'as venu donner l'argent. On enlève des patients, on les amène dans les cités universitaires de pauvres. On met de l'électricité sur les testicules pour qu'ils voient où moi j'habite. Vu la menace, j'ai dit bon, la mort peut sortir dedans. Je préfère me libérer. Je suis allé à la police criminelle. Des gens comme ça me menacent. Non, Makosso, toi, tu vas aller en prison. J'ai dit, moi, j'ai envie d'aller en prison. Je suis fatigué. C'est quand tu as cette pression là, tu es épuisé. J'ai envie d'aller te reposer. Donc, ils allaient me reposer. Tous les plaignants, au nombre de 100 et quelques, ont commencé à savoir que ma présence en prison n'est pas bonne pour eux. Donc, quand les gars m'appellent à la maca, puis on a la possibilité d'avoir des téléphones, je dis bon, je vais rembourser votre argent, mais j'ai faim. Faut que m'amener riz au croissant. Je précise la qualité du riz que je vais manger. Non, je ne mets pas riz au croissant. Ouais. Avec l'huile là, voilà, dinor, et puis les pays des spaghettis là. Les plaignants même pas pu m'amener. Ma cousine, tu es trop bon. Les plaignants s'occupent de moi pendant que je suis en prison pendant 15 mois. C'est pas merveilleux ça. Quand je sors de la prison, après les événements de la crise post-électorale, on casse la maca. J'aurais pu fuir encore, mais je retourne à la justice. Que ferons-nous maintenant? On constate que ton affaire politique, c'est là maintenant qu'on me révèle que ce sont des pasteurs proches de l'ex-pouvoir qui appellent le procureur pour dire nous sommes à l'orée des élections. On allait rencontrer Makosso. Effectivement, ils sont venus me voir. De la même manière que Blaise Goudé, j'ai la rue. Comme j'ai le langage, j'ai la parole et j'ai le charisme. Et j'étais le plus connu dans mon temps parce qu'il passait sur la RTI que je gère l'église. Il a dit non. Vous partez aux élections, vous allez perdre. Voilà. Parce que la constitution, c'est un fétiche. On ne fait pas l'élection quand le pays est divisé en deux. Vous voulez le faire, vous allez regretter. Ils n'ont pas regretté. C'est pour éviter que je gâte leur business, les pasteurs. Parce qu'ils ont frappé un mot, ils ont têté pour des 400 millions dans l'affaire. Pour
convaincre l'ancien président pour lui dire tu passes l'élection, tu gagnes dans le premier tour. Qui peut gâter l'affaire? C'est Makosso, il n'a pas peur. Faire une lettre adressée au président de la République, payer 100 000 pour que ça saute à la une du journal. C'était mon don. Il fallait me gâter. Quand le procureur me dit fais la paix avec les pasteurs du chef de l'État. C'est là que tu as compris en fait que. C'est là que j'ai compris que moi-même, on m'a mis dans un pain. Père me tépé. Tu vois, non? Maintenant que je suis sorti de prison, là. Le tépé, mesdames et messieurs. C'est manger. Ça veut dire manger. Hein. Voilà. Après, là, la tépé du saut. Maintenant que je suis sorti de prison, je suis sorti dans les événements de la crise. Ouais. Donc, j'ai pris un papier officiel. Donc, c'est comme si je suis un évadé. Voilà comment des pasteurs, avec qui on a commencé notre association de pasteurs, là, où je dirige maintenant les 2000 pasteurs, vont voir un juge, lui dire non, Marco, c'est un évadé de prison, il veut escroquer 10 000 jeunes avec le nom du chef de l'État. Voilà comment le juge lance un mandat d'arrêt. Parce qu'effectivement, c'est comme si. Mais le juge ne savait pas, parce que j'avais changé le juge d'instruction, que je m'étais déjà présenté. Voilà comment on m'arrête pendant que je mets au Gabon, fait un programme disant que je suis avec 500 millions dans un sac. Toujours qui les pasteurs. En plus, un archevêque. On me ramène en prison. 12 jours plus tard, le juge est confondu. Aucun jeune ne se plaint. Tout à l'heure, quand nous étions avant de faire l'émission, il y a un monsieur qui a dit, monsieur Oudjé, suis-moi là. Oui. C'est le président du collectif de tous mes voyageurs. Jusqu'à aujourd'hui, je te parle. Chaque année, je leur donne 12 millions de francs. C'est-à-dire, chaque mois, je rembourse 1 million. L'argent que je n'ai pas bougé. Jusqu'au dit, tu t'es là au premier cabinet d'instruction plateau, paquet du plateau, on dit Makosso est l'homme le plus honnête de la terre. Jusqu'aujourd'hui, il rembourse 1 million. Vous avez une femme, vient voleur rembourser depuis quand il y a Ramba quand tu as fait 15 mois de prison. Mais pour mon honneur et pour l'amour de ces personnes que. Mais celle-là qui t'a mis dans les problèmes jusqu'à aujourd'hui, elle est où? Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu sais où elle est? Où quelqu'un qui est passé à l'école de Makosso, tu peux plus la retrouver. C'est-à-dire? Dans ton école, c'est des détournements. Non, c'est pas les détournements. Tu apprends à ceux qui parlent dans ton école. Non, dans mon école, j'apprends aux gens de devenir intelligents, à réussir. Maintenant, tu peux prendre le couteau. C'est comme un couteau. C'est fait pour couper le pain. Mais ça peut tuer l'homme. La PTP, je n'ai pas le temps de pourchasser une personne pour combien 120 millions. Non, je vaux plus que ça. Donc, elle doit être riche actuellement, hein, grâce à toi. Non, elle ne peut pas être riche. Parce qu'on ne peut jamais réussir avec l'argent mal acquis. Jamais. C'est pour ça que tu vois, je suis tranquille, je n'ai pas de garde-corps. Si Makosso était un escroc, vous êtes venu à mes bons élèves, au moins des gens font des meetings devant. Makosso, notre argent, on voit les gens sur les réseaux sociaux, fait des vidéos pour dire Makosso les a volés. Mais on n'a jamais vu. Voici un pasteur, lui, c'est un voleur, mais on n'a jamais vu une personne qui a dit Makosso m'a volé tant. Quel est ce voleur dont il n'y a jamais de victime? Soyons honnêtes, les Ivoiriens doivent m'aimer parce que je suis leur porte-voix, la voix des pauvres et des sans-voix. D'accord. Bon, comme tu dis là, bon, là on est dans un sujet, je vais aborder un sujet avec toi. Voilà, parce que là tu es chaud, il faut qu'on parle de ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as fait une vidéo, voilà, où tu étais en train de, comment on peut dire ça, où tu étais en train de fustiger le comportement d'un certain pasteur anglophone qui a ressuscité quelqu'un et tout. Machin, apparemment, Makosso, tu étais jaloux. Voilà, voilà. Jaloux, hein. Tu devais être jaloux du monsieur. Parce que tu l'as traité de marmailleur, tu l'as traité de menteur et tout ça. Ouais. Apparemment, ça t'a choqué. Non, pas que ça m'a choqué, la marmaille était de mauvais goût. Tu vois, non? On est tous des pasteurs. Je suis le pasteur le plus influent des réseaux sociaux. Que tu veux ou pas, c'est la réalité. Voilà, je suis le pasteur le plus influent. Toi, tu t'en crées un buzz. Donc, toi, tu voulais seulement le seul qu'on réagisse sur les réseaux sociaux? Non, en fait. Pas le seul. Avant de créer un buzz, consulte d'abord les pères des buzz. On ne crée pas buzz comme ça. Il faut mon autorisation. Mais lui, il est en Afrique du Sud, toi tu es ici. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? On se connaît. D'accord. Africain, c'est pas un anglophone, c'est un Congolais. D'accord. Vivant en Afrique du Sud, qui fait les affaires, qui a beaucoup d'argent. C'est un bon enseignant. Mais dans ces deux dernières années, il est devenu un prédicateur, il fait maintenant les miracles. Les gens qui ne marchent pas, mais qui portent Jésus, se lèvent et courent. D'autres qui ne marchent pas, mais ils savent qu'on porte tapette. On nous montre un monsieur avec une chemise sky et c'est pas quoi, bien vêtu dans un cercueil. Il était en tout blanc. En tout blanc, comme Jésus-Christ de Nazareth, bien coiffé comme s'il était passé chez le coiffeur de Jay-Z, qui se lève, qui ne reconnaît pas les gens, qui ne sait pas où il est, mais qui se souvient que pour manger, il faut mélanger le piment avec le riz avant de mettre dans la bouche. Un drôle de mort. Je me suis assis et j'ai demandé à Dieu de me porter mes lunettes de détecteur de la marmaille. Et j'ai décortiqué la marmaille.
Mais tu as dit dans la vidéo que voici nous les pères de la marmaille. Donc si tu es marmaillé, viens nous voir, nous les marmaillés, on va te montrer. Détecteur de la marmaille. Donc toi, tu t'affiches comme un marmaillé. Non, en fait. Un détecteur de la marmaille. J'ai fait 15 mois de prison. Donc j'ai côtoyé qui? Les voleurs, les escrocs. Donc il y a. C'était mes enfants, ils venaient me voir et m'expliquer des choses. Donc il n'y a pas une marmaille. Quand il y a eu affaire de. On appelle ça. À condamner un flé. Il y a dit ça, c'est gâté. Il y a eu affaire de. Qu'on appelle ça. Agro business. Makoso a dit ça parce qu'il n'y a pas une marmaille que Makoso ne connaît pas. Il connaît la fin de toute marmaille. Donc quand tu fais le fou, là, viens me voir. Pour dire, vieux père, vraiment, je vais faire une marmaille. Maintenant, moi, je te conseille pour dire, petit, tu n'as pas besoin de faire cette marmaille-là. Voici la voie légale qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Sa marmaille est gâtée. Lui, après, il a fait une conférence. Il dit, non, je n'ai jamais dit que j'ai ressuscité mort. Après, on va à Kobia. On voit ce que. Mm-hmm. Il dit, tu n'as pas pu, c'est gâté. Plus le gars est venu en cercueil et tout ça. Mais c'est gâté. Ils sont allés rattraper le gars. Ils ont attrapé même un de ces éléments qui recrute les faux malades. Tout ce que Alf Lucao fait en Afrique du Sud, c'est du faux, du début. Ce qu'il a fait. Il y a des vieux mecs qui jappent plus que moi sur les réseaux sociaux en anglophone. Il y a des gars au Ghana. Mais les gars là, en Afrique du Sud, ils sont des faux mouvements. Ils sont des mouvements où ils veulent faire concurrence. Donc si lui, son mouvement de réjection peinait, il devenait quoi? Ah, il devenait le plus. Ouais. Voilà. C'était son objectif. Mais quand il a mis le visage du blanc, il y a un blanc qui est à côté là. C'est lui qui a gâté la fée. Tout le blanc, regarde ça. Quand le blanc fait. Ah, ça fait beaucoup de choses. En fait, la maman était bien. Mais après, on a vu des photos avec le même blanc. Lui et le même blanc quelque part, sur des, dans de grands hôtels, au bord de la piscine et tout ça, avec le même blanc là. Je vais t'expliquer une chose. Des organisations criminelles ont pris des églises en otage. J'ai dit des organisations quoi? Criminelles. Ouais. Tout le monde s'assoit du Gomorrah, on fait église. Toi, ton rôle, va dans les quartiers longo, longo, tu dis aux gens que tu en veux faire fi. Maintenant, les bons acteurs, là, tu les amènes dimanche à l'église. Tu vois, non? Ils n'ont qu'à faire comme s'il y a des produits, on met sur le pied gâté, qu'on verse l'eau là. La plaie là, ça quitte. C'est les Nigériens comme ça, vous faites les films quoi, au Nollywood. On frappe le système. C'est ainsi qu'un point de mois. Chaque fin de mois, tu as tes 10 bâtons, j'ai mes 15 bâtons. Faut jamais, on signe un pacte. Et puis on commence à faire. On fait maintenant les vidéos, on voit les miracles. On met des gars autour de moi, on ne me voit plus. Le pasteur le plus populaire. Lorsque je sors, c'est les limousines. Les nègres aiment voir ces gens de conneries. Donc ça commence à venir. Ça commence à venir. Le jour où il y a un scandale, souvent je viens de mon église, vous voyez. Ma popularité est en train d'effrayer certaines personnes. Et l'on veut m'abattre. Là, la religion est l'opium du peuple. Quand il sait manipuler les consciences, les gens sont prêts à mourir pour toi. Et les gens, sous le sachant, ont créé des organisations criminelles dans l'église pour mater et massacrer le peuple par la marmaille organisée et planifiée. Ça a lieu en Afrique du Sud. Mais toute leur origine, leur base vient du Ghana. Et le Ghana aujourd'hui est en train d'influencer la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mauvais pasteurs. Il y a des faux prophètes en Côte d'Ivoire. Dont, apparemment, toi, tu fais partie de ces bonbons pasteurs. Non, parce que Makoso, on dit, Makoso parle trop, Makoso aime raconter, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, être sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu es fou. Non, mais tu es un pasteur, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? C'est pas l'homme qui est là-bas. Jésus dit aller pêcher les hommes. Donc, tous mais les hommes. Une église, normalement, pousse les gens à venir dans ton église. Mais on est poussé par la communica. Si, hein. Réseaux sociaux, c'est la communica. Fafa là c'est la communication, Radio là c'est la communication. Je suis l'expert en tout ce qui est stratégie de communication. J'ai décidé de prendre les réseaux sociaux parce que c'est l'heure du moment. Quand une information sort, la Bible dit, Philippe dit, Jésus a dit à Philippe, rejoins ce char. Donc Jésus voulait nous enseigner que nous devons être toujours à la pointe de la technologie. Quand quelque chose sort, occupé. Parce que si nous n'occupons pas les réseaux sociaux, qui va l'occuper? Les films pornographiques. Les filles qui se déshabillent. Des filles parce qu'elles ont des énormes fesses, elles sont devenues stars. La personne ne parle. Et puis nous, on laisse ça comme ça. Je ne laisse pas. D'accord. Voilà. Mais le fait d'être sur les réseaux sociaux, là, qu'est-ce que. Voilà, quelle influence a eu sur ton église? Est-ce qu'il y a des. Les gens qui te suivent. Toi, là, j'ai l'impression que tu es la santé de terrain un peu tong-tong. Non, mais je veux savoir. Je veux savoir qui. Mais après, ça rassemble plus de 2000 personnes à Paris. C'est grâce à quoi? Facebook. Quand tu connais un pasteur, quand tu peux rassembler 2000 personnes à Paris, il n'y a personne. Tous ceux qui font le bouquin ici, à 15 ans là-bas, c'est là où deux ou trois sont assemblés, qui rassemblent 100 personnes, 150 personnes. Je suis le roi de la mobilisation hors de mon pays. Tu crois que j'ai reçu ça grâce à quoi? Grâce à Facebook. Mais pourquoi est-ce que dans ton pays, tu n'arrives pas à faire ça? Makoso, qui est le pasteur qui rassemble 25 000 personnes au stade de Fouvani? Makoso,
Mais la Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas. C'est plus ma priorité. Il y a trop de prophètes ici. Mais au cas de gérer ces démons, ça n'est pas fait à eux. Pour le moment là, je suis dans mon bonheur. Les Ivoiriens n'ont qu'à attendre. C'est-à-dire, les mêmes dans ton démons. Bonheur, c'est-à-dire. Mais le bonheur, chaque deux semaines, je suis plus ici. Je suis au Cameroun, je suis en Angleterre, je suis en France. On m'appelle de partout, mon frère. Laissez-moi vivre mon bonheur. Les Ivoiriens sont mal élevés. Ils n'ont pas de respect. Ils ne... Même Didier Toba, Ivoirien se lève et insulte. Nos gloires. Le... Mmh. C'est le peuple qui ne sait pas ça, célébrer ses gloires. Mmh. C'est un peuple. Ils n'ont pas de respect. Tu vas prendre Arafat. Ils vont insulter Arafat. Donc venir insulter sa maman et autres. Nos gloires, nos fiertés, on les jette dans la boue. On les écrase. On les insulte. Mais arrivé à un certain moment donné, quand tu commences à réussir, tu fais, ramasse tes bagages. On appelle ça Atakabori. Mm-hmm. Tu ramasses tes bagages. Puis tu vas t'installer ailleurs. Quand tu prends ton vol, tu viens là, tu le commandes maintenant. Les Africains. Ah, ils aiment ce qui vient d'ailleurs. Ils viennent pour le commander. Donc il y a là ailleurs. Et Pierre venait le commander. Mais, calme-toi, il y a une surprise. En 2020, j'ouvre la cathédrale de 5000 places au niveau de Yopougon. Parce que, quand même, j'aime le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes. Donc tu as commencé aussi déjà les travaux ou pas? Je suis dans l'immobilier. Je n'attends pas au fond de quelqu'un. Mais une cathédrale, tu as su quand. Bon, là, on est en 2019. Mm-hmm. Le terrain est déjà acquis. Je lance la fondation. Je mets d'abord la couverture. C'est fini, on commence. Et puis, on monte doucement, doucement. D'accord. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas tout ma priorité. Tu vois, j'ai déjà 10 000 pasteurs que j'ai. Si je veux pas trop. On attend d'abord l'élection de 2020. Ce n'est qu'à finir d'abord. Oui, mais moi j'ai appris dans les coulisses que Marco Sauvé se présentait aux élections de 2020. Est-ce que moi j'ai appris, hein, par des indiscrétions? Bon, d'abord, si Marco Sauvé se présente en 2020, c'est pas un péché. Il a les moyens pour le faire. C'est 20 millions. Mais c'est, allons c'est doucement. Tu es un homme de Dieu. Et alors? Tu es un homme de Dieu. Et alors? Hein? Donc, ça, voilà. Ça, c'est pas dans la politique. Voilà. On sait que les politiciens, la plupart, c'est des menteurs. C'est des oui, gens qui disent pas les, bon, comme les ce sont des menteurs. Hein? On peut confier le pays alors à un homme qui est un peu peur de Dieu. Mais pour l'heure, je ne crois pas qu'il soit ma priorité. Pour l'heure, sincèrement, ce n'est pas dans mes ambitions. On peut prendre le soin de le dire. Mais jouer un rôle d'influence sur 2020, je peux dire oui. Nous sommes 7 millions d'évangéliques. On va jouer un rôle capital sur les élections qui viennent. Mm-hmm. Voilà. C'est la caution des évangéliques qui va donner le président de la République. Les évangéliques, c'est l'électorat de Babou. Il ne sera pas candidat en 2020. Donc pour être président, vous devez venir convaincre les électeurs de Babou. Oh, pour convaincre les électeurs de Babo, il faut venir convaincre les pasteurs. Si nous, dans nos églises, c'est là où il dit, Dieu nous a dit que c'est telle personne, aucun fidèle ne peut parler. Tu parles, on te maudit. C'est ça qui est bon. Et pourquoi? Mais c'est comme ça se passe. Nos fidèles obéissent à ce qu'on leur dit. On dit, ils entendent nos voix, ils obéissent. C'est ça qui est bon. Les petits, tu vas là, qu'elle va à la mosquée là. Mm-hmm. C'est que l'imam dit, c'est ça, il croit. Un bon musulman donc, est aidé. Donc, en fait, donc, disons c'est... la vérité. Uh-huh, oui. Un bon musulman, il est aidé. Non, c'est pas vérifié. Faut laisser ça. C'est pas vérifié. Mais toi, tu n'es pas item, tu es un hypocrite, même pas sincère. Non, mais c'est pas vérifié. C'est un petit grand musulman, il est aidé. Un catholique est PDCI. Donc pourquoi Mamadou Koulibaly, par exemple, qu'on connaît quand même, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, pourquoi il n'est pas aidé? Pourquoi? Il vient du nord, il vient de son village, c'est lui. Je ne connais pas son village, mais je sais que c'est un nordiste. Il vient d'un village, à ce que je sache. C'est un Djoula. Faut laisser ça. On te parle des gens. Son Koulibaly, c'est qu'avec K. Les autres Koulibaly, c'est qu'avec C. C'est pas pourquoi vous dites que c'est K. Donc, vous laissez ça, c'est un autre débat. Mais les nordistes là, t'as dit, aidez les dans les sangs des drogues. Tu vois, non, les catholiques là, ils disent que c'est PDC, c'est les bourgeois. Les évangéliques, c'est les apaches. Babo, 98%. Mm-hmm. On est fidèles jusqu'à dans le bouquin, on trouve Bible. T'as pas vu la Bible sur la table là, dans le bunker? Mm-hmm. C'est nous les évangéliques. Donc, ce qu'on doit convaincre, c'est nous. Mais qui a la, dans toutes les religions, quelle est la religion qui a la croissance la plus rapide? Qui sont ceux qui toutes les semaines créent l'église, qui changent ma qui l'église? C'est vous, les évangéliques. Voilà. À propos d'évangéliques, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les pasteurs évangéliques, pourquoi est-ce qu'ils sont difficiles d'accès? Voilà, moi, je ne comprends pas. Un pasteur évangélique, moi, j'ai plusieurs fois vu un pasteur évangélique qui a des gardes-corps pour lui parler, mais il faut passer par je ne sais pas combien de personnes avant de le croiser. Je t'ai dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça? Il y a des signes pour reconnaître les menteurs. On appelle ça le trafic d'influence. Là, quand tu es devant lui, là, tu as l'impression qu'il t'a rencontré Jésus. Donc, quand il te tête, là, ton Dieu soit en même temps. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est pourquoi Marco soit. Appelle Marmaille 2. Non, c'est pourquoi Marco est accessible en fait. Mon numéro WhatsApp, tout le monde connaît 00225-0950-90. Mais je suis qui? Un ancien bandit que Dieu a appelé. Je vais me compliquer par rapport à quoi? Je suis qui même? D'accord. Faites simple. D'accord. Jésus était semi accessible. Un pasteur qui est trop compliqué d'accès, c'est pas un homme de Dieu. C'est un menteur.
Voilà une confirmation. Hein. Donc, pour les personnes qui vont à l'église, vous voulez parler à vos pasteurs, c'est compliqué. On dit non, faut aller voir. Comment on vous dit ça déjà? Donc, voilà, c'est le service d'ordre ou bien je sais pas. Maintenant, t'explique la marmaille. Quand tu vas voir la première secrétaire, il y a un papier que tu remplis. Tu vois, non? L'autre va remplir. Les papiers là, on donne ça au pasteur. Dimanche, qui s'appelle ici Kwame Aouta. Tu peux pas te rendre compte que c'est le papier qui t'a rempli il y a un mois. Pour rencontrer le pasteur, ça dure et tu oublies en fait. Voilà. D'accord. La marmaille aujourd'hui est organisée de façon professionnelle. Il y a des équipes de recensement. Est-ce que tu sais qu'il y a des ONG qui travaillent en collaboration avec des pasteurs? Ah bon? Qui vont par exemple à Yopougon, c'est le meilleur. Ils identifient la population pour dire non, on va venir faire des dons, on va venir aider les gens. Deux mois plus tard, ils amènent une équipe, on fait des bilans de santé. Tu es content, on a donné un peu de pain, de riz et autres. Trois mois plus tard, il y a une croisade, le pasteur arrive, un pasteur arrive. C'est même pas l'ONG qui organise. Quand le pasteur vient, il y a une femme ici qui s'appelle Tant, ton papa s'appelait Tant, ta maman s'appelait Tant, tu as telle maladie. Alors qu'il a déjà tout vu. Oh, la fiche. Photocopie de la pièce. La photocopie de la pièce, tout est là-bas déjà. L'ONG et le gars travaillent ensemble. Mais toi qui es là, par l'émotion, tu tombes. Parce que tu ne peux pas t'imaginer. C'est le nom, ils aiment fétiche. Donc ils entendent ça, ils tentent comme ça. Ils aiment ça. D'accord. Ils aiment ces conneries. Ma cause sont en train d'expliquer les mamans et les pasteurs. Mais ça, c'est un peu petit. Ça, ce n'est rien. Il y a d'autres qui amènent une ambulance. Mais l'ambulance n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom d'hôpital. Mais t'attends, la maman vient tomber. Mon fils, il veut mourir. Le pasteur sort pour lui, il fait sur elle qu'on vient. Il lève, tout, il se lève. Et vous avez parlé de l'eau consacrée. C'est 10 000. Vous voyez comment l'eau vient de réveiller le gars. Alors pendant la croisade, il y a au moins, on va dire, my God. 3 000 à 4 000 personnes. Ça s'est bas pour avoir l'eau. Quand on a ouvert dans le robinet, on a collé photo du pasteur du second. Puis on tue. Tu vois, les gens doivent aimer ma couche. Ouais, parce que tu casses les papous en fait. C'est ce qui m'a fait, tu casses les papous. Moi j'étais dans ça. Si je les dévoile, ils vont mettre mon drap. Je t'ai dit, c'est organisé. Mais comment le connaître? Le paralytique qui marche dimanche à l'église. Regarde bien sa canne avec laquelle il marche. Elle est neuve. Mais pourquoi un paralytique qui a marché dans un culte, on ne le voit plus le dimanche prochain? En temps normal, quelqu'un qui ne marchait pas, c'est toi qui allais nous donner à l'église, balayer l'église, ouvrir la porte. Parce qu'on t'a sauvé là-bas en fait. Pourquoi on ne te voit plus? Parce que tu fais partie de la marmite. Voilà. Et le même paralytique, on va le retrouver chez notre pasteur. Et remarquez bien, ils ne font jamais des directs. Ces pasteurs qui lui font des miracles, on ne fait jamais leur programme retransmis en direct. Ouais. Jamais. Après, on fait des bouts de compte et puis on lance des bouts des éléments. Pourquoi ils ne font pas dans le direct? Parce que pendant le direct, les parents vont reconnaître certains qui disent, lui là je le connais, il n'est pas paralytique. Pourquoi quand ils arrivent en France, on se retrouve à Bègue? Pourquoi les miracles qu'ils disent, ils ne font pas ça là-bas? Quel est le droit d'un chanteur, un conférencier, fais un miracle là-bas? La police française, on te prend pour abus de faiblesse. Voilà. D'accord. Makoso fait miracle en France. D'accord, Makoso, voilà. Donc pour parler encore de l'église évangélique, j'ai remarqué que lors de vos cultes, vous avez pour habitude de critiquer les autres églises. Vous critiquez par exemple les catholiques. Vous critiquez. Ce sont les pasteurs mal élevés. Il y a des pasteurs qui n'ont pas été. Faut laisser ça, je vais t'expliquer. Ouais, vas-y. Il y a des pasteurs, c'est les maudits. Ils sont mal élevés, ils n'ont pas d'éducation. Ils insultent les catholiques par rapport à quoi? Qu'est-ce que les catholiques m'ont fait? Pourquoi on va insulter les catholiques? Ils t'ont fait quoi? Quelqu'un, les gens, ils sont là depuis plus de 1000 ans. Toi, avant hier, Dieu t'a appelé là, tu les insultes pourquoi? C'est une mauvaise éducation. Non, tu pries maman Marie, tu iras à l'enfer. Oh, c'est ton problème. Tu es qui même? Toi, tu es qui? Tu aimes finir de te délivrer de l'esprit d'Awoko? Tu te lèves, tu juges les gens. Tu es sur l'excellence céleste. Sur la base de quoi? C'est dangereux. Et c'est ce que nous, c'est pourquoi nous sommes en train de lutter contre ce phénomène. Parce que voici comment on crée des divisions. Christianisme céleste dit, ils croient en Jésus. Catholique dit, ils croient en Jésus. On nous appelle tous des chrétiens. Pourquoi on va s'attaquer? C'est pas normal. Tu vois, les musulmans font mosquée contre mosquée. C'est insultant de eux. Jamais. Oh, parmi eux, là, il y a des divisions. Bien sûr. Quand il s'agit d'aller prendre l'argent de l'État, le chef Boakai Fofana, représentant des musulmans. Mais chez nous, tout le monde veut être chef. C'est pas normal. On dit c'est Makoso. Donc, non, la tête de Makoso ne me plaît pas. C'est pas lui. On doit apprendre à gérer les choses. Oh, il faut quelqu'un qui connaît la marmaille pour ouvrir leurs yeux. Vas-y, tu me comprends. Oui. Si on met Gawa, mais quand toi tu dis qu'il connaît la marmaille, parce que moi personnellement, je sais que tu es targué d'être quelqu'un qui fait la marmaille. On dit que tu es un marmailleur. Donc quand toi tu dis que tu connais la marmaille, c'est comme si tu confirmes que tu es un marmailleur.
que les gens... Que tout ce que Macron fait, il bavarde tous les jours, il raconte tout ça, c'est pour choquer les gens, ça vous fait croire. Je vous dis, Macron a une vie de... Tu vis plus qu'un président. Non, je ne vis pas plus qu'un président, mais je suis plus payé qu'un ministre. Ça, c'est une réalité. Tout le monde n'a pas près de 25 millions comme salaire par mois. Et les 25 millions que tu gagnes par mois... Je vends maison. D'accord. Voilà. C'est la maison que tu vends, là. C'est ça. Tu peux gagner les 25 millions. C'est ça. Par mois, je gagne ça. Sans compter maintenant la dîme des footballeurs professionnels. 37. Tant que la dîme des footballeurs, je viens de prier pour un de mes fils qui a signé au PSG. 2 millions d'euros. Ah bon? Il s'appelle comment? Il s'appelle le petit Burkinabé là. Il y en a 37. Tout ça, on va vérifier. Mais tu peux vérifier. Attends, je me rappelle son nom. Comment il s'appelle? Le petit Zagré. Tant que Zagré, il vient de signer au PSG. Tu me vois aller maman qui? Non, ça veut dire qu'en quittant ici, je serai à l'aise. Non, attends, hein. Comment tu seras à l'aise? Oui. Comment tu seras à l'aise? Tu viens de prendre. Faut laisser ça. Ne prends pas l'argent des veuves et des orphelins, ils vont te maudire. Doucement. Donc, tu ne peux pas avoir tout ce système-là et puis te lancer. En fait, j'ai un comportement qui laisse à croire. Quand j'aime persévérer dedans pour que les gens croient et les gens parlent mal de moi, ça me plaît. Ah bon? Non, normalement, en tant qu'un homme de Dieu. Non, tu dois pas inciter les gens à l'approbation des hommes. Je préfère chercher l'approbation de Dieu. Un homme intelligent doit me lire entre les lignes. Jésus parle en parabole. Jésus même là, on le traitait de marmailleur. Jésus même, on dit même pas. Quel est ce monsieur qui est toujours dans les shows? Jésus aimait le bon coin. Il partait jamais chez les pauvres. Il partait chez les gens qui avaient l'argent comme Zachée. Voilà. La Dieu vient pleurer, lave ses pieds. Judas dit, Jésus, on aurait pu prendre ça pour donner aux pauvres. Il dit, laisse les pauvres. Tu les auras toujours. Aujourd'hui, là, moi, je vais sentir bon. Il a pris le parfum de la peau. Voilà. C'est ça, Jésus. Il aime les bonnes choses. Il m'a consommé les bonnes choses. Quand je dis ça, ça fait mal aux chrétiens historiques. Il y a des chrétiens qui ont l'esprit de 1984. L'esprit parce que quand tu dis les pauvres comme ça, quand tu dis ça, c'est comme si tu es en train de frustrer ceux qui n'ont pas les moyens, en fait. Normalement. Moi, le pauvre n'est pas celui qui n'a pas les moyens. Moi, le pauvre, c'est l'animal qui est assis qui dit que sa vie est gâchée. Que les autres sont mauvais, les autres sont contre lui, qu'il n'a pas fourni d'efforts. Moi, je suis un enfant d'abobo. Qui m'a aidé dans ma vie? Personne. Personne ne m'a tendu la main. Je me suis assis, je me suis mis à rêver. La réussite commence par un rêve. Pense à s'asseoir pour critiquer l'autre. Celui qui s'assoit, qui parle de son ami, c'est quelqu'un qui a signé un pacte avec la sorcellerie et la pauvreté. Pour réussir dans la vie, tu t'en fous de ce que l'autre fait. Toi, tu dois marquer ton temps. Qu'on parle de toi, qu'on bien ou mal, mais c'est la preuve que tu existes. Attends, qu'on parle de toi. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Marcos Camille.